Hi Bandico, Privet, bonjour, Mbote. Welcome to today's video. As you can see, I'm inside my kitchen and today we are going to cook. Today I'm going to cook my post-workout meal. Сегодня я буду готовить страву, яку я ем після зала. Aujourd'hui, je vais préparer un des plats que je prends après la salle de sport. It's going to be quick. So what we need first as a meat or chicken. So we are going to use chicken breast, le blanc de poulet ou encore la poitrine de poulet. So ya kimo jete bachi te budemo vikoristovate kuriache filet. We need vegetables. So this is vegetables. This is lechon mix. This is lechon mix. So it's mixed sliced peppers, tomatoes and onions. It's the quick frozen. So comme j'ai dit, ici on a des légumes, donc on va utiliser un mélange de légumes pour les chou. Il y a des poivrons mélangés, les dés de tomates, les dés d'oignons. So il y a des poivrons et les tomates et les oignons. So il y a tout le monde qui veut construire les chou mix et tout y est c'est soumis, je pense que soumis les chou et tout y est perret solotki narizani. Narizani solotki perec, narizani kubikami pomidor, ta narizani kubikami cibulja. Ti što nam treba? And we are going to and the other thing is broccoli mix. So for the broccoli mix, what do we have inside? Is quick frozen too. We have broccoli florets. We have let me check. We have sliced carrots, and we have cauliflower florets. My English is not that good. Let me read it in French, it's better. On a un brocoli de melon surgelé, brocoli, chou-fleur. Non, on a des brocolis, on a des chou-fleurs et on a des carottes. Surtout, on a au chef assommé chez brocoli. Tout y est sous switch à capsule brocoli, tweet na capusta et mort pour la raison. We need tomato and. But I'm not using rice, I'm using bulgur. It's one of the kind of, like the family of rice and all of them. It's just like an alternative of rice. So, я буду використовувати бульгур, но це просто альтернатив рис. Якщо ви не хочете, коже день їсти рис, то ви можете їсти бульгур. So, c'est juste une alternative du riz. Au lieu de manger du riz tous les jours, vous pouvez manger ce bulgur. Je ne sais pas trop comment on l'appelle en français, je pense qu'on l'appelle aussi juste bulgur. Donc, c'est un peu ça. Et... j'ai la sauce soja, c'est juste une sauce que j'aime utiliser de temps en temps. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît juste. Et I'm going to use the soya sauce. I just like to use it, so that's why. Y'a beaucoup de choses sur soya sauce, tout le monde chou ya. Y'a poste le bleu, if so. So, this is what I need for today. So, the first thing I'm going to do, I'm going just to cut this filet like. I need. So, I'm just going to cut. See, they are like small, so I can just cook. Cut it in the middle. And I have spices, but the only thing I use is red pepper, black pepper. Now I should speak like my African brothers, pepper. So, red pepper, black pepper. Some curry, yes, and that's all. So I'm just going to put some more, like not that much. So, tout червоний перец, c'est le poivre rouge. Johnny перец, poivre noir, si je ne me trompe pas, et du curry. Le roast curry, non, t'as mal au toucher. And I need to use hot salt. And soy sauce. I think there's some soy sauce that left. So I have small that left, so I can just use. I'm not going to use like more.
Just more, not that much. Yes. I'm going to put it like the thing that when you put it on fire, you should put the fire in as the minimum as possible. So you don't put, if it's 1, 2, 3, 4, 5, you don't put the fire in the fire, you put the fire 1 or 2. Because we want the chicken breast to produce water. I don't want to add water, so the chicken breast will produce water, so you don't need to put the fire very high. Just put the fire in like 1 or 2. Au feu, mais sur un feu bas, pour ne pas dire un feu doux, comme on dit en français, un feu doux. Un feu doux, ça laisse le temps de bouillir et ça va produire de l'eau. Donc c'est un peu ça. Feu doux, ok. Ok. Là. So when my chicken breast is getting ready, I can cut what I have to cut. So as I have tomato, so I want to cut my tomato. You can see my mix is ready. So inside I have the lecho mix, I have my broccoli mix and fresh tomato. Vous pouvez voir mon mélange de légumes est prêt. Ici j'ai mon mélange de brocoli, j'ai mon mélange de lecho et j'ai ma tomate fraîche. Il y a que moi j'étais bas, j'étais tout là. On met tout sous mes ovoche sous mes chez tam brocoli mix, tam lecho mix et pomidor. Tout c'est chaud. So this food don't take a lot of time. 45 minutes or 1 hour is the maximum. So if you are in the hurry, you want to do something fast, you can do it and you are good. So cette nourriture ne prend pas beaucoup de temps, 45 minutes, 1 heure, tout est prêt. Donc si tu veux préparer quelque chose de rapide, tu peux juste faire ce plat là et c'est bon. Il y a quelque chose à ce travail, d'où je suis que vous trouvez. Donc c'est 4 minutes, à bout de chasse maximum. Si vous avez une vide, il y a que des... Allez, maximum, c'est chasse, à bout de 4 minutes, ne bitch. So the chicken breast, we are going to let like 15 or 20 minutes because it's not like, it's very simple to cook. And when you just see the color, how everything is changing, you can know that, my chicken breast is ready. So that's why I like chicken breast, it's fast. And about the vegetables that I used to put, if some of them you don't like them, for example, if you don't like broccoli, it's not an obligation for you to do it. You can change. I'm just showing you like an example how you have to do, but you can change. If you don't like vegetables, you like something else, you can put the vegetable that you like. If you don't like broccoli or you don't like carrot, you can change with something else. So comme j'ai dit, ce mélange de légumes, c'est pas une obligation pour vous de manger les mêmes légumes que j'ai mis. Si vous n'aimez pas les brocolis, par exemple, vous pouvez changer à quelque chose d'autre. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les carottes, vous pouvez changer. Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. C'est sous, je vais sous, mais je suis arrobé. Il y a quelque chose à dire. 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 Ну, что с другой? Это не обязательно есть просто цей брокколи и так дальше. Я просто вам покажу, да, приклад. Как можно готовить цей, и все. Все залежно от вас. So let me remind you what we need for this food. Брокколи mix. Un mixage de брокколи. Лечо mix. Un mixage de лечо. Bulgur is like rice, alternative of rice. Le bulgur, une alternative du riz. Soya sauce. Oh, you can see it. Okay, soya sauce. Chicken breast. So for the vegetables, like they are quick frozen. But if you like to use fresh, you can use. Me, I just bought it like that because I just like to buy frozen and put them inside the fridge and they are there because I think it's more cheap than fresh one in Ukraine, and sometimes it's cold and you are tired, you are lazy to go to find the fresh one. But people that are in Africa, I think it's simple to them to buy the fresh one because the fresh one is cheaper home
In Africa, it's very cheap. And yeah. Donc j'ai dit pour les légumes, moi j'utilise les légumes congelés parce que c'est plus ou moins cher ici. Et des fois tu es fatigué, tu as la flemme de sortir, aller chercher les légumes frais. Mais si vous avez cette possibilité de préparer avec les légumes frais, vous pouvez le faire. Par exemple en Afrique, je pense que les légumes frais sont plus ou moins chers que les légumes congelés. Donc après bon, quand vous voulez préparer, faites juste un tour des Ayala, il y a un petit marché, vous prenez ce que vous avez et... So my chicken breast is ready. I can show you. You can see. I hope you can see. So those chicken breasts are ready. Mes blancs poulets sont prêts. T'as mon courage filé aujourd'hui. So now I want to cook my vegetables, but I want to put some oil, like a little bit, like shoot. But the thing is that I don't have. Olive oil. I'm planning to start to use it, but for now I'm not using it. So I want to give you my idea, like what I think is better, because some people they say I'm following a strict diet, I want to lose weight, so this oil, this thing, I don't have to use it. Yes, okay, but if someone wants to lose weight, you can't tell the person, for example, stop to eat rice. Because rice is carbs. No, you tell the person, if you used to eat 250, 300 grams of rice, you should reduce and eat 100 grams. And eat more meat. But your carbs, you should reduce them. Don't eat carbs like you used to eat before. But eat carbs less, because it's not helping you. So, for me, for people that they say, for example, oh, olive oil is very expensive, or I don't have time to buy it, or I don't want to buy it. Like me now, I'm not using it yet. That's the truth. I'm planning to use it. But for me, what I think, you can just take one spoon or one teaspoon of oil and you put, if you want to do, for example, eggs, if you want, for example, to do some stuffs, you don't need to put like, to take oil, put, and let me do eggs, make some omelette. No, you want to do eggs. For me, this is what I do. I can take one teaspoon of oil and I put inside. I know it's not going to be enough, but it's better than pulling just like, ah, let me just put inside. You understand? So that's what I want us to do. I can't tell you that stop eat rice, stop eat couscous, stop eat spaghetti. No, I tell you, reduce your carbs, because it's not good for you. Reduce it, that a lot is not good for you. You should reduce it. So please don't be like, ah, everyone will say that, ah, all of them, they lie. Olive oil, this oil is a lie. All of them, okay. But please, just try to use a little bit. And you will see progress. Because it's not nice when you sit on diet or you are following a strict diet and you're just eating anyhow, you're just doing things anyhow. Or you're saying, no, I'm not, or I can't follow this diet because I don't have money to buy olive oil. Okay, you don't have money to buy olive oil. Or I don't want, okay, just let's make the thing different. Let's find a way how we can make it good for us. Ok, donc comme j'ai dit, je vais maintenant me faire mes légumes. Le problème c'est que je vais mettre un peu d'huile, mais on sait que l'huile a beaucoup de graisse. Donc je vais mettre un peu d'huile, mais je me demande, et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui suivent une diète, qui veulent perdre du poids par exemple, et qui disent non, l'huile il y a beaucoup de graisse et tout et tout. Mais je vais vous poser une question. Quand une personne veut perdre du poids, je ne vais pas te dire non, arrête de manger du riz. Ou arrêter de manger les spaghettis. Donc, je vais vous dire, si vous mangez par exemple 300 grammes, 250 grammes de riz, vous devriez diminuer, manger au moins 100 grammes. Donc, je vais juste faire comprendre que ça ne sert à rien par exemple de faire des œufs avec beaucoup d'huile. Prenez une cuillerée d'huile, vous mettez, ou maximum une cuillère d'huile, vous mettez à l'intérieur. Parce que, au moins ça, vous savez que non, vous avez réduit le taux de vous prenez pas assez, vous savez déjà que de l'huile a beaucoup de graisse, et vous prenez juste un tout petit peu pour vous aider, je sais pas, peut-être que c'est pour mettre du goût, peut-être que c'est pour vous permettre de bien faire votre omelette et je sais pas tout ce que vous allez faire. Donc s'il vous plaît, si vous avez de l'argent pour acheter de l'huile d'olive, achetez de l'huile d'olive, c'est la meilleure option. Mais après, si vous vous dites que non, c'est cher, ou que je n'ai pas de tongs, je sais pas où trouver, utilisez de l'huile normale, mais s'il vous plaît, essayez juste de diminuer, parce que ça sert à rien d'être dans une diète, de suivre un programme, et si vous n'avez pas de résultats, c'est frustrant.
et vous allez dire que ouais, ah, non, il faut toujours chercher un moyen. On peut faire avec ce qu'on a à la maison, on peut faire avec ce qu'on a sur nous. Juste qu'on doit réfléchir, voir comment le faire. Et moi, je n'utilise pas de l'huile d'olive, c'est vrai. Mais je fais de mon mieux de trouver des alternatives. C'est vrai que je veux commencer avec l'huile d'olive bientôt. Mais après, je veux chercher des alternatives, comment faire pour que je puisse progresser et tout, et tout, et tout. Tu as dit que 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 tu Allez, au milieu de la variante, tu changes pour nous voir. Il y a chaud, vidéo m'a été chaud, vidéo m'a été chaud. Olivier, quand il y a vu notre droga, à bout de mener le match, à bout de c'est. Il y a demain chaud, vu moi je te vois que tu es zvichain à Olivier. Article zmen chez toi. Il y a chaud, vidéo chez vous que tu vois, n'importe quoi. Deux loges, trois loges. Moi j'étais odna chez une loge, vu que tu vois, tu chaud, n'importe quoi, zrobite omelette. Tu odna chez une loge, chaud, n'importe quoi, zrobite ce que tu veux. Просто, n'importe quoi, людина как хочет похудать. Я не могу сказать сразу. Больше рис не треба есть. Більше спагетті не можна їсти, більше кускус не треба їсти. Ні, я кажу, якщо ви радше їли 300 грам, 350 грам чи 200 грам рис, чи 250, будь ласка, зменшуйте просто. Зменшуйте кількість грам, і все буде добре. Тому що якщо, наприклад, я на дієті сижу, хочу походати, на що мені їсти 300 грам рис? Ну, я їм 100 грам, і я знаю, що я займаюся пізніше, і все хорошо буде. То... Як все, не можна зараз сказати, що більше так їсти не треба. Ні, треба просто зменшити, потрошки зменшити. І так само з олією. Ви хочете, можемо використовувати звичайну олію так. Тільки поменше. Зменшуємо кількості і будемо бачити прогрес. Тому що якщо ми щось хочемо робити і нема прогресу, у нас більше не буде бажання, щоб продовжувати. І не треба багато десь шукати. Якщо ви можете робити з те, що у вас є вдома. Просто думати, сказати, а. Щось читати, десь дивитися, бачите, якісь можуть бути варіанти. І це я те, що я пропоную, це те, що я роблю. Я теж хочу почати з олівкової олії, я теж хочу. Але поки я, звичайно, олію використовую, і я так само роблю, просто почав дуже мало. Як сьогодні я буду поставити чай на ложку. Просто що я хочу мішати там з овочами, щоб було трошки. Да. То я надію, що... Ви так і зробите. Сон. Black pepper. Red pepper. Pepe. Pepe food. No, pepe food. Pepe soup. Yes, and this soy sauce. So you people, you know this cup, yeah? From the oatmeal, yeah. So this is the same thing. You know, in Africa, we have some stuff like that. It's not like, you know, for example, when you buy milk inside, like, I don't know how to call it, but when you buy milk and you use the milk is finished, you have to throw the stuff away. So these stuff we use to take it, keep it, and when you go to the market, you want to buy something, people, they can use it like to weigh things. Like they say 1 kg, 2 kg, and they put the price. So this mentality, I still have it. Yeah, so before I have the weight machine, yeah, for my foods. But before that, I used just waiting with this thing. So yes, this is why, proud to be African. Comme j'ai dit, ce gobelet là, ça revient du quaker que j'avais fait la fois passée. Du quaker que j'avais fait la fois passée. Vous savez, le gobelet, là, c'est comme... Vous savez comment c'est, par exemple, au Congo, on a... Quand tu arrives, tu dis quaker à l'os, quaker à ça, tu vois. Donc, quaker du riz. Quaker du riz, quaker de... Donc, ça, là, avant que je puisse avoir la machine, le peser des... Que deux fois, je pèse... Comme vous avez vu la fois passée sur ma vidéo, j'ai pesé les flocons d'avoine. Avant ça, j'utilisais ça. Donc, quand je veux... préparer du riz, du boulgour, je sais pas, peut-être du couscous de temps en temps. Je pèse ici. Gobelet, il y a boulgour. L'autre, comme ça, là. Gobelet, il y a boulgour. So today, we are going to use 1 cup of boulgour. So, 1 gobelet de boulgour. Et ça.
On n'a pas besoin de machine pour peser. On a ça. Tout le temps quand tu veux. C'est que ah, je mange. Tu sais que non. Ah, ça fait déjà 3 mois que je mange un gobelet. Laisse-moi ajouter un gobelet et demi. So you don't need the machine. You can say that. Ah, it has been already 3 months that I'm eating one cup of bulgur. So I want to add more size. Let me now eat one cup and half of bulgur. And now you can calculate step by step. You see? I'm going to add chuchut water inside these vegetables. Just chuchut water. Now I'm going to add water. I'm going to add water. Chuchut, j'ai juste ajouté un tout petit peu d'eau. Et après ce doudave. Un vodou chuchut, tac. Vodou. Oh God, you see, one cup of bulgur, and 2 cups of water, because when you are cooking, of course you can't cook it without water. So one cup of bulgur and 2 cups of water. So j'ai mis un gobelet de riz et 2 gobelets d'eau, parce qu'on peut pas le préparer sans eau bien sûr. Donc un gobelet de bulgur et 2 gobelets d'eau. Il y a pour ça Odin Stakan, Odin Stakan Bulgur, et 2 stakan Voda. Tu sais pas, très bien, конечно, с водой. То. Стакан Odin Bulgur, et 2 stakan Voda. Зараз, все круто. Раз, c'est bon. Non. So, see this food. See how it looks. Oh my God, see. So, we are in the end of this video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share. On est à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. You can see ces vidéos. Дякую за те, що ви дивитесь. Не забувайте. Підписатися, лайк поставити, коментувати і поділитися з іншими. Побачимося в наступному відео.